gouvernement de Chine, le ministre Chourcon, a finalement accepté de céder le pouvoir à son successeur, Haïdar al-Abadi, sous la pression de la communauté internationale. Continue ukrainien, Pierre affirme que c'est comme le défis des véhicules militaires qui avaient traversé la frontière de la Russie dans l'est de l'Ukraine. La présidence ukrainienne confirme donc les informations relayées par les médias britanniques. Actuellement, ce sont des militaires russes avec la tortue traversant l'Ukraine. Et la société ukrainienne aussi nous dit qu'elles ont commencé à respecter le pouvoir des militaires russes qui avaient réussi à enlever que Moscou ne fait plus de pouvoir financier.